Shock sans frais. Ça je mets un frag, un double frag, triple frag de la part de deux Shock. Là c'était le quatrième frag, il se sent adjusté, boum. Là c'est tout l'adversaire, c'est chill de la part. Si tout va bien, c'est quand même notre point rival qui était Redline avant.
Par ailleurs, c'est aussi devenu notre ancienne structure, donc évidemment on a envie de gagner. Ils se sont beaucoup entraînés pour cette LAN, nous pas beaucoup, ils ont beaucoup plus de préparation que nous. Ils ont beaucoup plus de préparation que nous, donc ça va être difficile. Mais bon, on les a quand même battus tout au long de la saison, on est confiants. Si tout le monde rentre dans le match et que la com est bonne, le niveau est bon et tout se passe bien, il n'y a pas de raison qu'on se laisse surprendre. Donc, à vrai dire, ça peut être un peu, comment je pourrais dire ça, c'est un peu vraiment limite du 50-50, c'est-à-dire que si on ne rentre pas dans le match, c'est possible qu'on se prenne 6-4, 6-5 comme on a fait avec des 4, ce qui est relativement sec. Mais si on rentre dans le match direct, normalement ils n'ont pas de chance. Ok. Ah, le combat est bon, il a été fait, le point de bombe. Ah, maintenant, a été libéré. Shox a clé en main. Il va pouvoir clear le point de bombe. La bombe qui va être posée par son coéquipier. Shox va aller prendre le chantier. Mais la bombe qui vient juste de tomber. Tout le balle de Regnam. Boum, le premier frappe de la part de Shox sur son adversaire. C'était M-Stad qui est obligé de laisser ses coéquipiers en 3 contre 1 maintenant. Shox, il est capable de le faire, Shox, évidemment. Shox qui va avoir son adversaire. Boum, il le fait tomber. Donc 2 contre 1 maintenant, 2 contre 1, il va pouvoir maintenant faire un nom, il lève son adversaire, c'est intelligemment fait. La bombe qui va être récupérée par Shock, qui va être posé sur le point de bombe A, il en avait un, c'est dangereux pour lui, un verre, il va sur l'adversaire, il a bien pris, il va de Shock. Security.